Aujourd'hui, je vais faire tomber quelque chose qui est très cru ici. Ce sont les rencontres, c'est-à-dire amicales ou amoureuses. Vous allez voir qu'on est bien loin des histoires de flammes jumelles. Et même des histoires de heureusement que j'ai habité dans ce quartier, heureusement que j'ai déménagé, ça m'a permis de rencontrer l'autre. Non. C'est une romantisation de ce qui se passe en réalité. Si, au fond de vous, vous avez le désir de, je vais dire, vivre une histoire d'amour, un désir profond. Vous allez créer la rencontre, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. C'est-à-dire que ben, vous n'avez pas besoin de partir. Ce sera jamais votre voyage ou votre déménagement qui vous fera rencontrer la personne. Pas du tout. Ça va même jusqu'à, si ce n'est pas cette personne-là, ça en sera une autre. Nous n'avons pas une personne attitrée, alors que nous avons comme conception de oh, c'est lui, c'est elle. Non. Ce qui prévaut, c'est ce que l'on veut vivre. Et là, il y a une personne qui correspond à ce que l'on veut vivre. Alors certes, ça fait voir les choses différemment. Ça casse pas mal tout le romantisme. Ça casse beaucoup toutes les idées que l'on a des rencontres amoureuses. Je vous l'ai déjà dit, flamme jumelle, ça n'existe pas, âme sœur non plus. C'est une romantisation de l'humain. Il y a simplement, en tant que matière, qu'est-ce que vous voulez vivre? Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'aimez pas la personne, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mais c'est ce que vous voulez vivre qui prévaut. Vous voulez vivre ça, vous êtes à cet endroit, vous allez le vivre. Alors que quelquefois, ça n'a jamais été. J'ai déménagé, heureusement, je l'ai rencontré. Jamais. L'autre ne vous attend pas quelque part. Non. Tout vient de vous. Tout vient de vous. Tout vient de vous sans vous déplacer. Car se déplacer, il y a action. Là, c'est simplement c'est. Donc voilà, cette petite vidéo qui change la conception que l'on a des choses. Car beaucoup trop de choses ont été romantisées, brodées. Les choses sont vues sous un angle. Sous un angle, souvent, où vous laissez l'extérieur vous guider. Ça n'est pas ça. C'est vous qui choisissez. Vous avez toujours suivi, choisi, toujours.